Bonjour les enfants, comment ça va? Tout va bien? Sabah al-khair, asdikai. Kayfa halakum bikhair? Ahlan bikum fi hissa jadida min hissas al-lugha al-faransiya. Aujourd'hui, nous allons réviser les lettres de Q à U. Q comme 4. Pour écrire la lettre Q, je commence par le point de départ. Voilà le point. Je commence par le point. Je monte, je tourne, je descends, je tourne, j'arrive au même point. Je monte verticalement, puis je descends verticalement vers la ligne. Voilà, c'est la lettre Q, le son Q. R comme renard. Pour écrire la lettre R, je commence par le point de départ. C'est le point de départ. Je monte verticalement vers la ligne. Je fais une petite boucle. Puis, je marche sur la ligne horizontalement. Je descends verticalement vers la ligne comme une canne. Voilà, c'est la lettre R, le son R. S comme sapin. Pour écrire la lettre S, le son S, je commence par le point de départ. Je fais un trait oblique, puis je fais un pan incliné. Voilà, c'est la lettre S, le son S. T comme tomate. Pour écrire la lettre T, je commence par le point de départ. C'est le point de départ. Je fais un trait oblique. Puis, je monte verticalement. Je descends verticalement sur la même ligne sans lever le doigt, comme une canne. Enfin, je fais un petit trait horizontal. C'est la lettre T, le son T. La lettre U. U comme unicorne. Pour écrire la lettre U, je commence par le point de départ. C'est le point. Je monte obliquement, puis je monte verticalement. Je descends sur la même ligne verticale, je tourne. Je monte verticalement sans lever le doigt. Je descends verticalement vers la ligne comme une canne. Voilà, c'est la lettre U. Comme un devoir, vous allez écrire les lettres Q, R, S, T et U sur une feuille ou sur un cahier. Et vous allez trouver des mots commençant par les lettres Q, R, S, T et U. Au revoir et bon travail les amis!